Salut tout le monde, je sais pas si on m'entend bien. Ah, le jeu a planté encore. Je relance. J'arrive, j'arrive. On va s'en sortir. Hop, hop. Ça arrive, ça arrive. Ok. Voilà. Du coup, salut tout le monde. On reprend Ever Oasis aujourd'hui. La dernière fois, du coup, on avait chopé un quartz bleu.
qui va permettre du coup de sauver l'oasis. Et on nous avait dit que il en manquait 3. Hop. Ok, du coup, si je me souviens bien, j'avais récupéré pas mal de petites choses sympas. Et du coup, je voulais voir. Je sais plus ce qu'on avait récupéré d'autre. Oui, voilà, donc on avait récupéré une épée, un bolas et une épée pouce. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir équiper certaines personnes. Déjà là, je suis en train de regarder les caractéristiques physiques. Bon, lui, il a pas de magie concrètement, mais ça c'est nul, ok. Le bracelet de pierre est moins bien. Bah, du coup, pourquoi pas le miroir vautour, ça pourrait être pas mal. L'épée, on n'a pas, non, on n'a pas mieux pour l'instant. Là, est-ce que ouais, pas mal. Comme ça, il est bien. Voilà, niveau vêtements, on a que dalle de plus. Lui, j'ai vu que on avait un bolas qui est 2 étoiles aussi et qui est plus fort. Bah, du coup, on lui équipe. Et il a rien niveau équipement. Donc, comme ça, c'est bien aussi. Ouais. Bon, lui, on peut pas lui changer ses fringues, et elle, on a pas de lance, on a rien. Ok. Du coup, on avait plus de potions la dernière fois, donc je vais refaire des potions si c'est possible. Ah, on peut faire une plus grosse épée aussi. Ceci est intéressant. J'aimerais quand même bien faire des potions avant, pour être pas mal. Je peux en faire que 2. Bon bah on en fait 2, hein, écoute. Ah. Je kiffe cet effet, c'est dingue. Voilà, on a 2 petits remèdes maintenant. Et du coup, on peut quand même faire l'épée, donc on va la faire. Voilà, elle est jolie. Ouh là là, elle est jolie. Les bracelets, je peux pas en faire d'autres, non. Bon, voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et du coup, on va lui donner cette épée-là, en fait. Ah, d'accord. Bon, il s'est déjà équipé automatiquement. Autant pour moi. Du coup, bah, on sort. Alors. Aller voir les petits fleurs parce qu'il y en a qui sont vides. Est-ce que je peux lui livrer des trucs à lui? Là, je peux lui en livrer un seul. Ok, voilà. Je
c'est cool. Elle, elle a plus rien. Ah, j'ai pas de... Bon, va falloir que j'aille ramasser des fruits. Des pièces. Enfin, c'est pas des pièces, c'est des aquagènes. Ok, alors, pousse-toi, toi. Ok, alors... J'en profite pour dire que je suis en ce moment en train d'essayer de financer un nouvel ordinateur. Du coup, si vous voulez m'aider, il y a mon PayPal, ma page Ko-fi, et voilà. Voilà, parce que le mien ne supporte plus, ne supporte pas trop le streaming, ne supporte plus les logiciels de montage vidéo, etc. Donc j'ai grand besoin de changer d'ordinateur, voilà. Et oui, et j'ai aussi une cagnotte anniversaire pour ce besoin d'ordinateur. Voilà, du coup, on va lui donner ses fruits. Là, ça est déjà un peu plus contente. Faudra pas oublier de lui en ramener, parce que du coup, là, c'est pas rempli. Là. Faut toujours faire attention. Niveau de bonheur, hein, parce que du coup, plus ils sont contents, plus on est tranquille. Alors, on va attendre un petit peu avec lui, hein, parce que ça sert à rien. Ok. Du coup. Salut, moi c'est Jasper, ma passion c'est les cordons. Avant d'arriver ici, j'étais dans les collines Bar, au sud d'ici. Et puis j'ai vu une superbe lumière briller au nord, alors j'ai marché dans sa direction, et c'est là que je me suis rendu compte que la galerie Grava était débloquée. J'ai continué ma route, et me voilà. Ah, ça me fait plaisir de te voir, mais j'ai perdu mon sac en venant ici. Je me suis fait pourchasser par des tatous à épines dans les collines Bar. J'imagine que mon sac est resté là-bas. Et donc en gros, il va falloir lui ramener son sac. Ok. Bah oui, je veux bien m'occuper. Voilà. Jasper a dit qu'il venait du sud. Ça doit vouloir dire... qu'il y a un chemin praticable qui mène au sud. Allons voir à la galerie Grava Granit. Ok. Du coup, bah, on va s'occuper de ce qu'il a demandé. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Bravo, chef. Il n'y a plus la moindre plante du chaos dans l'oasis. Quel soulagement. C'est vraiment beaucoup mieux comme ça. Je vois, la puissance des quartz de lumière est vraiment phénoménale. À propos, ça me rappelle quelque chose qu'on m'a raconté il y a bien longtemps. On m'avait expliqué que le hameau Cerque au sud abritait une pierre verte à l'éclat lumineux. Peut-être s'agissait-il en fait d'un quartz de lumière. Granit, c'est exactement ce qu'on voulait savoir. Plus un instant à perdre, il faut que tu te rendes au hameau Cerque pour chercher le quartz de lumière. Ok.
région on visite les cercles au sud du désert de Kar. Région non visitée. Bon là de toute façon je peux pas prendre de truc de téléportation, il faut que j'y aille à pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc la voici, la voilà, la galerie Grava. Alors, bonjour. Saïd, on m'avait dit qu'une nouvelle oasis avait été construite dans le coin. Mais c'est n'importe quoi, elle est nulle part. Ouais bon, rachète-toi des lunettes. Ce jeune garçon joyeux croisé dans la galerie Grava cherchait une oasis. Pouvoir récupération d'objets plus. Hein, l'oasis est pas ici, elle est dans le désert. Non, sérieux. Oh, et en plus tu y habites. Bon ben dans ce cas, je vais aller y faire un tour. Mais alors je fais plus qu'y habiter en fait. Je suis un peu du chef, tu vois. Du chef moi. Alors. Fais ton truc. Julie, fais le truc. On va voir si vous avez la ref de Judy. Fais le truc. Ok. Ah, il est déjà en point de téléportation. Mais c'est merveilleux. Que demande le peuple? Ok. Bah écoute, avec plaisir. N'est-ce pas? Donc, on va quand même explorer hein, au lieu de suivre les flèches comme moi, hein, parce que l'exploration c'est cool, n'est-ce pas? Alors, je vais voir. C'est pas ça, ok. Ce n'est point cela. Donc ça, si je comprends bien, ok. On recommence. Alors, voilà. Non. Ok, ça sert à rien ce que je viens de faire. Réfléchis. Faut relever les deux. Peut-être. Ça va pas grand. Enfin. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi de relever les deux. Je vais savoir. C'est peut-être ça. Peut-être. Hein. Alors, vas-y, on recommence. Tac. Non. Voudrait dire qu'il faut relever juste celle-ci et celle-ci doit être couchée. On va y arriver. Hop. Voilà. Allez. On recommence. Troisième essai. Bonjour. Hop. Là, là, là. Oui. Yes. Ok. C'était donc cela. Alors, comment... Qu'est-ce que je dois faire? Tiens, interrupteur. Bonjour l'interrupteur.
pour vous. Tu as l'air ridicule. Ça suffit maintenant. Bon. Oh. Tu sais. Hop. Clac. Ah, mais quoi encore? Petit coup de bolasse dans la tronche et tu fais plus ton malin, mon mec. Ok, alors ma casse-cossée, un monstre du chaos qui vole. Prends ton temps pour bien viser avant d'attaquer. Utilisez le tourbillon contre les ennemis volants pour les faire tomber à terre et ainsi pouvoir les attaquer. Ok. Aïe. Alors déjà, juste, mais tu te calmes, paupiette. Voilà, bon, par contre là, peut-être falloir une potion en fait, potentiellement, ça je dis rien. Mais, mais arrête de viser à côté, ça suffit. Ça suffit. Inventaire. Elles sont où les potions? Yeah. Comment qu'on fait? C'est dingue, je ne sais plus comment on fait pour prendre une potion. Tout va bien. Ah bah oui, soin. Pff, non mais n'importe quoi. Mais... Voilà. Voilà, ça va mieux là. Hop. Osni, la couleur du ciel, du désert, de la montagne, de l'eau. Non, rien ne convient. Cet artiste fait des soupes de toutes les couleurs. Elle aime aussi les cordons. D'accord, bon bah de la soupe en mode. Je ne pense pas que j'aurai davantage d'inspiration en restant ici. Maintenant que j'ai tous les ingrédients pour ma soupe, il faut que je trouve un endroit où me reposer. Ça va en faire hein, du monde, dis donc. Tout le monde y veut venir. Alors, certes, mais du coup il faut que je retourne sur mes pas apparemment. Bon. Ceci était un cul-de-sac. Donc, par là. Alors, moi je fais dans l'ordre. Je vais re-sauvegarder parce que je suis une parano. Bonjour. Voilà. Yep. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur le socle, un renfoncement semble destiné à accueillir des pierres. Ouais, bon, ok, c'est chiqué que c'est des quartz, quoi. Excavation. Si vous trouvez un endroit où le sol scintille, prenez le contrôle d'un personnage maîtrisant le pouvoir spécial d'excavation, puis appuyez sur A pour obtenir un matériau enfoui sous terre. Je ne crois pas que ce soit le cas de mon équipe. Actuel, on va. Ah mais non, j'ai dit mon équipe actuelle. Non.
J'ai pas ça en stock. Est-ce qu'on se retournerait pas dans le village pour aller chercher ça? Ouais, non, la flemme. Plus tard. Plus tard, plus tard. C'est l'ouverture. Alors, où suis-je? Pourquoi il y a toujours des gens dans les... C'est affolant. Ah, c'est une bombe. Tu m'as mis une bombe là. Pas bien la tête. Oh, salut. Je ne sais ni qui tu es, ni d'où tu viens, mais tu tombes à pic. Tu crois que tu pourrais me donner un coup de main, s'il te plaît? Tu vois le gros rocher de l'autre côté? Ah ouais, ouais, je le vois bien. D'après ce qu'on dit, il y aurait une stèle particulièrement intéressante là derrière. Mais je ne sais pas comment passer de l'autre côté. Tu ne voudrais pas m'aider à chercher un moyen de traverser? Ah bah écoute, si Bichette, hein, on va être gentil. T'inquiète, on va trouver. Alors, maquette. Une parafleur, ici. Grâce à elle, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Je te remercie. Je n'avais pas pensé à chercher la solution du côté de ce genre de tas de sable. Tant qu'on y est, tu ne voudrais pas m'aider encore un peu? Bah, et Audi, ça va bien. Je vais utiliser cette fleur pour voler de l'autre côté et activer l'interrupteur. Ensuite, ce serait super si tu pouvais me rejoindre de l'autre côté et m'aider à mettre ce rocher en miettes. Alors, tu te sens d'attaque? Toujours. Toujours. Eh oui, mais oui. Bah, elle, en du coup, vu qu'elle a l'air de servir à rien depuis tout à l'heure. Voilà. Je m'appelle Carlotta. Très heureuse de faire ta connaissance. Carlotta a rejoint votre équipe. Ouais. Mais attends, hein, Popiette, là, j'ai pas fait le tour, moi. Je vais voir le reste un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une logique avec cette bombe, là. Je me demande s'il y a pas... S'il faut pas faire voler la bombe jusqu'aux pierres. Je vais tirer par les cheveux. Ok, ça ne marche pas, je me suis niqué tout seul pour rien, c'est pas grave. Salut le truc moche. Ok. Ah bah tiens, il y a une bombe juste derrière là, je l'avais pas vu. Caloum. Ok. Et bon, c'est pas pour moi. J'imagine qu'elle a pas ça elle non plus. Ok, c'est pas grave. Bon, on va aller de l'autre côté. Là où il y a des fleurs comme celle-ci, je peux utiliser le pouvoir de la parafleur. Essaie de ne pas oublier, ok? Grâce au pouvoir spécial de la parafleur, en vous plaçant sur une fleur spéciale et en appuyant sur A, vous pouvez vous envoler et ainsi atteindre des endroits élevés ou traverser des ravins. Ah, attention, ce sont des cactus explosifs. Quand on s'en approche, ils sortent de terre puis explosent. Mais ils sont si légers qu'ils s'envolent au moindre coup de vent. Oh,
Mais toi, tu peux peut-être trouver un moyen de les utiliser à ton avantage, non? Quand on s'approche d'un cactus explosif enterré dans le sol, il s'envole puis explose après un moment. Vous pouvez le faire voler dans le sens du vent à l'aide d'un tourbillon. Donc, nous disions que... Vas-y, mets-moi la caméra bien. Merci. Je l'ai eu. Comment ça? Ce n'est pas possible. Une langue que je ne peux pas lire. Ces signes antiques, je n'en ai jamais vu de pareil. Il faut absolument que j'en sache plus. Help-toi. Oulala. Désolé, mais je vais rester un peu ici pour étudier cette stèle. Merci pour ton aide. Je viendrai faire un tour dans ton oasis, je te dois bien ça. On se reverra là-bas. Il va finir par plus y avoir de place dans cet oasis, hein, si ça continue. Comment j'ai deviné que tu étais chef d'oasis? Élémentaire, mon cher Granit. Seuls les enfants du grand arbre ont le pouvoir de faire tourbillonner le vent. Sur ce, à la prochaine. Est-ce qu'elle est intelligente? Carlotta a quitté votre équipe. Ok. Vous avez obtenu des informations sur Carlotta. Bon, et ben, on retourne de l'autre côté. On va continuer notre petite visite. Ok. Donc, nous, on était partis pour aller là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Colline Bar. Donc on est arrivé aux fameuses collines Bar et il y a l'air d'y avoir des ennemis pas très courtois, dirons-nous. Je me méfie. Ok, je n'ai pas compris pourquoi il s'était barré, mais je vais peut-être pas essayer de comprendre. Hein, ça a l'air d'être bien qu'il se soit barré. Bon, alors. Ah, les voici, les voilà. Les fameuses cibles qui ont piqué le sac à dos. Ok. Allez hop, on va le finir. Voilà. Par contre, il y a notre topin qui est par terre. Reviens le topin. Allez, on leur donne de la vie. Hop.
Allez, on se relève. Hop. Il y en a un deuxième qui nous attend là. Je sais pas où il s'est barré. Là. Bah, il est resté là en fait. Tout simplement. Aïe. Ah. Bon, ok. On va être plus vigilant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Oui. Alors déjà, c'est pas gentil. Et c'est pas gentil. Voilà. Bon, du coup, on a récupéré le sac en toile de Jasper. Donc on va pouvoir rendre. Mais du coup. Nous de base on était parti pour aller plus loin quand même. Est-ce raisonnable? Je ne sais point, mais on va le faire quand même. Ok. Ok. Ah d'accord, il s'est barré. Pourquoi pas. Au pire, on va pas insister. Hein. On va juste rentrer là-dedans. Je ne sais même pas où je vais. Le chemin Rocapla. Ok. Bon, salut le chemin Rocapla. Maria. Ah, quelle plaie. Je me demande jusqu'où la gloutonnerie conduira ce goinfre de Lévi. Et moi qui me retrouve toute seule dans un endroit pareil. S'il m'arrivait quelque chose, je... Oula. Qu'est-ce que... Ah, qu'est-ce que je disais? On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Toi là-bas, tu tombes à pic. Tu ne vois pas que je suis une pauvre jeune fille en détresse? Alors sauve-moi. Oula, le cliché là. Oh là là. C'est pas terrible hein, ce que ça lui fait. Putain, il jette du poison en plus, enfoiré. Heureusement qu'il est pas à un niveau très. Ah, ça c'est pas mal apparemment. Bon. Nouvelle recette miroir vautour. Ah, hein. Tu m'as sauvé, merci. Ah, mais tout de même, quelle plaie ce Lévi, ce fichu goinfre de Lévi. Elle a une dent, hein, contre Lévi, dis donc. Je lui ai juste demandé de m'amener au hameau cercle qui se trouve de l'autre côté, ce n'est pas compliqué. Et d'ailleurs, s'il veut rentrer chez lui au hameau, il sera bien obligé de casser ce rocher. Mais monsieur a un petit creux. Monsieur est parti dehors chercher de quoi se remplir la panse. Non mais je rêve. Ah, je ne supporte pas d'attendre comme ça. Dis, tu ne voudrais pas aller chercher des vies pour moi? Potentiellement. Il y a des arbres comme celui-ci dans les collines barres. J'imagine qu'il est parti là-bas cueillir des cerises doubles. Ah, quelle plaie. Mais quelle plaie. Enfin, je compte sur toi pour le ramener ici. Bon, j'en ai un peu marre, moi, de faire les courses de tout le monde. Cocotte.
on va le chercher, hein, puisque... Donc, Lévi, where are you? Ok, il y a un truc qui m'attaque. Où es-tu, le truc qui m'attaque? Il n'y a personne. Faut arrêter de me faire des stress pour rien. Regarde, Granite, c'est l'arbre dont parlait la granéenne que tu as croisé tout à l'heure, non? Par contre, je ne vois pas un seul fruit. Lévi les a peut-être déjà tous mangés. Ah, il y a des restes de fruits par terre. On dirait bien que Lévi s'est dirigé vers le nord-est. Il a dû manger en marchant sans faire attention. Pas très élégant, peut-être, mais pour nous, c'est une aubaine. Qu'est-ce que tu critiques, là? La nourriture, c'est sacré. On critique pas les gens qui mangent. Bon, alors, du coup... Voilà... On va profiter pour ramasser des trucs, hein, n'est-ce pas? Hop, hop, hop... Mais quelle histoire, vous dis-je. Bon, j'essaie de comprendre le truc. Par là, apparemment. Ouais, visiblement par là. Hop. Mais faut arrêter de se barrer quand vous me voyez. Ouais. Je fais pas si peur que ça. Regarde, Granite. C'est l'arbre dont parlait la granéenne que tu as croisé tout à l'heure, non? Par contre, je ne vois pas un seul fruit. Lévi les a peut-être déjà tous mangés. Encore des morceaux de fruits, visiblement. Il a emprunté le chemin roc à plat. Il est peut-être retourné là où tu étais tout à l'heure. On devrait aller voir au chemin roc à plat. D'accord, donc en fait, tu me fais faire tout ça juste pour me dire qu'il faut retourner sur mes pas. Ah bah bravo. Bravo. Ah, je peux pas avancer. On fait comment? Oula. Oula, oula, oula. Peut-être éviter. Ah ouais. Faire dans l'autre sens. Bien dans l'autre sens. Bon, apparemment, c'est pas de ça. Ah, bordel, il y en a deux. Disons donc, non, dans l'autre sens, Laura, dans l'autre sens. Bon, y arriver. Cours. Qu'est-ce qu'on me fait pas faire? Je vous le demande, moi. Oula, 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 oula. Mais oubliez-moi un peu, genre zappez-moi, je n'existe pas, je n'existe pas. Ah, ils sont énormes. Donc, salut la demoiselle. Tiens, où est Lévi? Quoi? Tu ne l'as pas trouvé? Ah mais quel plaît ce Lévi. D'accord. Bon bah je pense que Lévi est ici.
Lévi, ce n'est pas trop tôt. Où est-ce que tu étais passé? Excuse-moi, Maria, je suis désolé. Tout va bien maintenant, j'ai l'estomac plein. Je me fiche de connaître l'état de ton estomac. Dépêche-toi de t'occuper de ce satané rocher. Ah, toi aussi tu veux aller de l'autre côté? Prends-moi dans ton équipe, je casserai ce rocher pour toi et nous pourrons faire un bout de chemin ensemble. Bien, laisse-moi faire, je m'en occupe. Ce genre de caillou avec mon marteau, je n'en fais qu'une bouchée. Les marteaux qu'utilisent les cerques permettent de briser les gros rochers ainsi que les murs de bois qui bloquent le chemin. Bah écoute, c'est bon à savoir. Ah oui. Ah ouais. Et dis donc. Fantastique, maintenant nous allons pouvoir nous rendre dans ton hameau, Lévi. Je suis plus qu'impatiente de découvrir l'endroit où tu as grandi. Et voilà, elle est déjà repartie. Bien, et si nous y allions, nous aussi? Oh oh, on dirait que les monstres du chaos installés devant le hameau se sont réveillés. Maria est passée en courant, cela a dû les tirer de leur sommeil. Quoi qu'il en soit, nous devons les affronter. À propos d'affrontement, je dispose d'un pouvoir spécial qui s'appelle le marteau tourni. Ça devrait pouvoir nous aider même si je ne peux pas l'utiliser en rafale. En appuyant sur R, vous pouvez utiliser des pouvoirs spéciaux SP utiles en combat. Prenez le contrôle d'un allié maîtrisant un tel pouvoir et servez-vous de la jauge SP pour le déclencher. Bon, je l'ai utilisé au mauvais moment, mais au moins on a vu ce que ça faisait. Et tu... C'est parti. Ah, c'est joli. Et donc voici le hameau cercle. Alors voici donc le hameau cercle. Il n'y a absolument rien à faire ici. Moi qui pensais que ce serait comme une oasis, animée et plein de vie. Je t'avais prévenu pourtant, et plutôt deux fois qu'une. Quoi ? Tu as fondé une oasis dans le désert de Kar ? Dans ce cas, ce sera ma prochaine destination. Et pas chieuse, hein, celle-ci. Elle est partie. Je viendrai moi aussi visiter ton oasis un de ces jours. En attendant, prends soin de Maria s'il te plaît. Bien, je vais me sauver si ça ne dérange personne. J'ai comme une petite fringale. C'est que ça creuse de travailler. À plus tard. Maria, cette jeune granéenne au caractère bien trempé, considère Lévi comme un larbin.
C'est joyeux, dis donc. Et du coup, on va activer ça. Vous pouvez utiliser le point de sauvegarde suivant. Et du coup, on va visiter et on s'arrêtera là, je pense. Alors, vous sentez que quelqu'un vous observe, mieux vaut ne pas entrer dans cette tente. Ah bon, ok, on va pas toucher aux tentes. Hein. Hop, hop, hop. Doyen Cercle, Nien, tu cherches quelque chose? Un quartz de lumière. Je crois qu'il y a en effet un caillou qui s'appelle comme ça, au fond du cimetière marin. Oui. Mais je t'interdis d'aller farfouiller là-bas. C'est le domaine exclusif des cercles. Cela dit, si tu tiens vraiment à t'y rendre, j'ai ce qu'on appelle une proposition à te faire. Tu es chef d'oasis, n'est-ce pas? Dans ce cas, organise donc une foire gourmande. Nous autres, les cercles, aimons la bonne chair. Réjouis-nous l'estomac et je te laisserai rentrer dans le cimetière marin. Nien, tu ne sais pas comment organiser une foire gourmande? Tiens, prends ça. Vous avez obtenu un objet, carte gourmande. Si tu fais tamponner toutes les cases de cette carte, tu devrais pouvoir organiser une foire gourmande. Pour en savoir plus, discute avec tes alliés dans ton oasis. Il y a bien quelqu'un qui pourra te renseigner. Allez, je compte sur toi pour organiser un joli petit gueuleton. Ok, du coup, il va falloir leur remplir la panse pour avoir le droit d'aller chercher le deuxième quartz. Du coup, on va rentrer directement. Ah oui, d'accord. Et on va rentrer à l'oasis. Augmenter de niveau comme ça. Regarde, Granit, il y a une lueur sur la fontaine. Il paraît que les lueurs comme ça n'apparaissent que dans les oasis où les gens sont heureux. Si tout se passe bien, plus on aura d'alliés, plus il y aura de lueurs qui viendront danser ici. Quand l'oasis grandit, des esprits appelés lueurs apparaissent à la fontaine sur la place. De nouvelles lueurs apparaissent à mesure que le niveau de l'oasis augmente. Il y en a 7 en tout. Lorsque l'influence du chaos grandit dans l'oasis, les lueurs disparaissent. Ok. Ouais, c'est un indicateur de bonheur, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Salut, chef, qu'est-ce qui t'amène? Oh, si tu organises une foire gourmande, tu pourras accéder au cimetière marin où se trouve le quartz de lumière. Si je sais comment organiser une foire, tu tombes bien. Une chef d'oasis m'a expliqué tout ça autrefois. D'abord, il faut que tu livres beaucoup de matériaux aux boutifleurs. Les gérants des boutifleurs suffisamment approvisionnés pourront alors apposer un tampon sur ta carte. Une fois que toutes les cases de la carte auront été tamponnées, va prier l'arc-en-ciel avec le génie de l'eau. La gratitude contenue dans les tampons renforcera la puissance de l'arc-en-ciel et permettra à l'oasis d'accueillir la foire. Les foires sont l'occasion de passer un bon moment ensemble, et je pense que pour l'oasis aussi c'est une bonne chose. Seulement, pour que tu puisses organiser une foire, il faut que ton oasis ait atteint une certaine taille. Dans l'oasis où j'étais, il y avait 3 lueurs. Tu pourras sûrement en organiser une quand l'oasis aura atteint ce seuil. Ok. C'est Saouré qui t'a expliqué comment organiser une foire? Super, heureusement qu'il est là.
Donc, tu continues à livrer des matériaux au boutifleur, tu fais tamponner toutes les cases de la carte de foire, et après, on va prier l'arc-en-ciel ensemble. C'est pas compliqué en fait. Mais avant tout, il faut que l'oasis atteigne la taille nécessaire. C'est ce qu'a dit Saouré, non? Pour pouvoir organiser une foire, il faut faire grandir l'oasis jusqu'à ce qu'il y ait 3 lueurs sur la fontaine. Eh ben écoute, Cocotte, on va faire ça la prochaine fois. Là, du coup, on va se quitter sur... Enfin, déjà, on va lui rendre son sac à dos à lui. Eh, mais tu as retrouvé mon sac. Sans lui, je ne pouvais plus fabriquer de cordon. Tu me sauves la vie. Tiens, pour te remercier, ça devrait te porter bonheur en cas d'ennui. Vous avez reçu quelque chose en remerciement. Turban du désert. Ok. Ça compte plus pour moi que ma propre vie. Je te dois une fière chandelle, tu sais. Merci. Tu as été tellement gentil avec moi que je n'ai pas le choix, je m'installe dans cette oasis. Et notre population s'agrandit. Oh, c'est merveilleux. Et donc, on va pouvoir faire pousser une boutifleur qui vend des cordons. Nombre d'alliés, 8. Ok. On va récolter les aquagènes. Du coup, prochain épisode, on s'occupe des boutifleurs et on fait tamponner la cacarte. Je sauvegarde. Voilà. Beaucoup trop de monde en même temps. Okay, donc il y a Maria, ok. Si, je suis enfin arrivé. Donc il y a un marchand et il y a plein de manchouettes. Donc les gens, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi le stream et à la prochaine. Des bisous.